Avant le ballon et l'urion, je mettais une taille 50. Maintenant, ben, je mets entre du 44 en bas, ouais, 44, 46. Voilà quoi, ma vie a changé. Alors, j'ai découvert le ballon à l'urion sur un reportage qu'il y avait eu sur M6. Et puis, par rapport à des amis qui en avaient envie, et puis ils m'ont poussé à découvrir et à franchir le pas. Alors, j'ai choisi cette option parce que ben, je me sentais mal dans ma peau. Et puis, recourir à ce qui était bypass, tout ça, ça me faisait un petit peu peur parce que ben, on ne pouvait pas revenir en arrière. Et puis, ben voilà quoi. J'avais essayé d'autres régimes, mais je n'allais jamais jusqu'au bout. J'avais pris 30 kilos et pour moi, je pensais jamais réussir à arriver à perdre ce poids toute seule. Et le ballon à l'Urion m'a vraiment aidée, m'a donné un déclic et un coup de pouce énorme. Pendant la pose du ballon à l'Urion, j'ai eu un suivi par la diététicienne Chloé, qui m'a très très bien épaulée, qui était très à l'écoute. J'ai gardé ses habitudes alimentaires après l'expulsion du ballon. Ça fait 4 mois, je n'ai pas repris de kilos. Je continue toujours de m'affiner en centimètres. Une fois le ballon posé, je n'ai jamais eu de frustration, des envies, d'avoir envie de manger ou de voir ma famille manger autour de moi. Et que moi, forcément, je n'aurais pas pu. Non, j'avais aucune envie. J'ai jamais souffert de ce côté. Je l'ai très très bien vécu. Ce que je mangeais en petite quantité, ben, ça représentait mes grosses assiettes auparavant. Je mangeais autrement. J'ai appris à manger lentement parce que ben, quand on mange comme avant mes 2 assiettes, eh ben, je les mangeais forcément beaucoup plus vite. J'ai appris à connaître la satiété. Je faisais des petites pauses lors de mes repas. Et c'est comme ça aussi que je me rendais compte que ben, j'en avais assez. Oui, bien sûr, je le recommande vivement. De ne surtout pas avoir peur de la pose du ballon. Moi aussi, je me posais d'énormes questions avant de pouvoir le faire. Je regardais un petit peu sur Internet comment ça allait se passer, comment je vais pouvoir avaler cette capsule. Et lors de cette intervention, eh ben, on a le médecin avec qui ça s'est très très bien passé. Il nous aide si on n'arrive pas bien à l'avaler. En 15 minutes, il est posé. Je le recommande. Il m'a changé ma vie. Si je l'ai choisi, le ballon à l'Urion, c'est parce que ben, je suis une maman de 3 enfants. Et puis ben, tout ce qui était opération, qui était pas, où on ne pouvait pas revenir forcément en arrière, me faisait peur. Et puis ben là, ben, comme c'était une petite gélule à avaler, c'est vrai qu'au début elle nous semble énorme, mais ça se passe très très bien, quoi. Donc j'encourage toutes les dames et tous les messieurs à le faire.